Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Day. Aujourd'hui, on s'intéresse à une voiture berline des années 80, puisqu'elle a été produite entre 81 et 88, la BMW E28 M5, une berline bien connue, familiale et sportive surtout. Mais c'est une voiture qui aura marqué l'histoire de BMW, puisque cette voiture luxueuse 5 portes, eh bien, au-delà de faire un bruit très bien réalisé, pesait 1300 kg à peu près, mais surtout avait le premier moteur diesel développé par la marque bavaroise. Donc c'est dans ce magnifique châssis qu'a apparu le premier moteur diesel à l'époque, hein. C'était un modèle, je crois, la 524, je pense, qui développait à peu près 120-130 chevaux. Et voilà, c'est une voiture qui aura, je pense, pas mal marqué l'époque. On l'a vu aussi beaucoup fonctionner aux États-Unis. Il y a quasiment eu 800 000 exemplaires de produits de cette voiture. Et ce mode-ci est plutôt sympathique. On a un comportement assez agréable. On a beaucoup de transferts de poids, de masse dans les virages. Une voiture assez lourde, assez pataude, parce qu'on sent que bien voilà, il y a une tonne 4 à lancer dans les virages. Donc sur un circuit comme la Nordschleife qui demande une bonne précision, la direction sera sympa, mais par contre le poids du train arrière sera très difficile à gérer. Donc un mode plutôt sympa. Je vous le conseille uniquement si vous êtes fan de ce genre de voiture. Si pas, rien d'exceptionnel, passez votre chemin. Si les voitures de route ne vous intéressent pas, elle n'est pas forcément à tester. Je vous invite à essayer peut-être par exemple la Ferrari GT Lusso qu'on a testé il y a quelques semaines. C'est pas une voiture marquante, mais voilà, en tant que fan de BMW, vous le savez bien, il me fallait l'essayer. Et voilà, une bonne berline bien sympa que vous prendrez avec plaisir sur les petits circuits. Je me suis pas éclaté à Francorchamps parce qu'elle est pas assez puissante, elle a pas assez de vitesse pour être agréable. C'est une voiture pour enchaîner les virages sur des circuits un peu plus sinueux. Pas mal de circuits d'Angleterre pourraient aussi faire le job. Je pense à Truxton, Knock Hill ou même Silverstone ou Houlton Park. En tout cas, un mode sympa que je vous conseille, donc si vous aimez ce genre de voiture. Voilà, il reste eh bien, à monter le son et à profiter de la présentation de cette BMW M5 E28.